Alors là, c'est le festival. Tiercé, quarté, quinté, quinté plus. Il y a tout ce qu'il faut dans ce film. L'abîme des morts-vivants. Voilà ce que je voulais voir. Il y a tout, je vous dis, il y a tout. Alors forcément, il y a de la scène de Nichon, c'est du Jess Franco. Il y a des zombies en carton. Il y a des maquillages dégueulasses. Il y a des effets spéciaux pourris. L'image est tellement mauvaise qu'on a l'impression qu'il y a un type qui s'est torché avec la pellicule. C'est grandiose, c'est une explosion de saveur, voilà. C'est ça, moi, que je voulais voir comme film B. C'est complètement à la ramasse. Alors, le scénario déjà. Alors, je vais vous parler de l'abîme des morts-vivants. Hein. Le titre, rien à voir avec le film. En gros, il n'y a rien à voir avec une abîme. Hein. J'ai cherché l'abîme, je ne l'ai pas trouvé. Enfin, si, l'abîme du désespoir de ceux qui font ces films, mais c'est à peu près tout. Le héros principal, c'est un gosse dont le père a été assassiné pour retrouver l'emplacement d'un trésor nazi gardé par des zombies. C'est le personnage le moins expressif du game. Il reçoit une lettre qui lui dit que son père est mort. Il est triste, genre 4 secondes. À la fin du film, parce qu'il tient jusqu'à la fin du film, c'est le héros, il repart, tous ses potes sont morts, et lui, il se casse pépouze. Tranquillou, je me suis retrouvé moi-même. T'sais, mec, quoi. Puis je me suis bien fait chier parce qu'il y a un problème de rythme. Sauf à la fin, l'attaque finale des zombies. Un chef-d'œuvre. Déjà, les mecs, ils ont des maquillages vraiment improbables, dégueulasses, moches à mourir en carton-pâte. Il y en a un, c'est juste un crâne, un vieux crâne en plâtre où ils ont mis un œil, trois bouts dessus. Et je vous jure, ça se voit à l'écran qu'ils l'ont sur une pique. Ils font que des gros plans. C'est ce zombie que tu vois jamais en entier parce que ils font que des gros plans sur ce machin. Enfin, c'est magnifique. Ça vend tellement du rêve. Le seul truc dont les zombies ont peur, c'est le feu. Donc, à un moment, ils creusent une tranchée autour de leur campement, ils foutent le feu, mais ça fait des flammes de la taille d'une bougie à réchaud. À un moment, il y a un lancer de cocktail Molotov. Les mecs, les cocktails Molotov explosent à l'impact comme des grenades. C'est magique, ça vend du rêve. Et les acteurs sont en surjeu en permanence. À un moment, ils croisent une équipe qui filme un truc, machin, tu sais pas d'où ils sortent. Poum poum, on va au même endroit. Enfin, la magie du scénario. Ah, j'ai pris mon pied tellement c'était naze, quoi. Alors, l'abîme des morts-vivants, en français, hein, parce que en anglais, c'est Oasis of the Zombies, ou je crois qu'il a un autre titre, Bloodsucker, Nazi Zombies, ou un truc comme ça. Enfin, le festival, je vous dis. À voir avec des potes et un pack de bière pour se marrer un bon coup. On a fini avec Jess Franco. Donc, on va entamer une autre série. Enfin, on va continuer à explorer cette collection. Je vous avais parlé de Chimère, d'Olivier Béguin. Mais en rangeant la collection dans un petit logiciel que j'ai, il m'a signalé que j'avais un autre film d'Olivier Béguin, Dead Bones. Et donc, du coup, lundi, voilà, je vais faire. Dead Bones, c'est un court-métrage. Donc, lundi, je vais faire une journée Olivier Béguin avec Dead Bones et Chimère. Voilà. Avant de continuer sur un comme promis Midnight. Et puis après, bah, on verra. Voilà, content d'avoir fini ce Jess Franco. Je vais faire une playlist spéciale et puis bah, on se retrouve pour la suite. D'ici là, bah, amusez-vous bien, quoi.